J'ai commencé quand j'étais petit, mais ça fait des années que ça dure. C'est comme un robinet qui fuit. Tous les jours on vient de nouvelles, dans leur boîte elles attendent la nuit, et on profite pour se faire la belle. Dans tout le quartier, c'est un incroyable bordel. Tous mes voisins comme possédés ont suivi mes idées de la veille, des idées à la con dans la boîte à crâne. Des idées à la con dans la boîte à crâne. À quoi perdre ma caution, ou pire finir en camisole. Fallait que je trouve une solution. Des idées à la con dans la boîte à crâne. Des idées à la con dans la boîte à crâne. J'en suis conscient, c'était peut-être pas une riche idée. Je vis dans le 8e arrondissement, à quelques pas de l'Élysée.